Le vrai problème des contrôles, c'est que ça compte dans la moyenne. Quoi, toi encore avec tes idées pourries? Un contrôle, ça sert à avoir des notes. Pour faire une moyenne, c'est le but, justement. Ah non, le but d'un contrôle, c'est de faire apprendre tes élèves. Puisque c'est en étant évalué qu'il va pouvoir comparer ce qui est attendu et ce qu'il a produit. Et petit à petit, mettre les deux au même niveau. Mais pour pouvoir comparer, il faut bien pouvoir se tromper en toute liberté. Si à chaque fois que tu te trompes, t'es pénalisé, bah tu vas plus vouloir te tromper. Et donc, tu vas plus pouvoir apprendre. Alors, tu vas savoir comment construire un système d'évaluation qui permet à tes élèves de se tromper et donc d'apprendre. Ça se passe dans ma classe virtuelle gratuite. Pour t'inscrire, c'est en description.